Donc en fait, il porte effectivement tous ses maillots et les coursiers de UFR Champflore. Grande difficulté pour le leader du tour qui voit partir une Rosette Orange Caraïbe, mais également donc Sarah Énergie Nouvelle Autodistribution. On va revenir là, ça y est, sur la tête de course. Et Henri-Émile Largel, effectivement, on disait qu'il fallait surveiller donc Sarah. Et Gianni Rémy a montré que jusqu'à maintenant, il a Cimignoli, il tient, hein, parce qu'on est entré dans des conditions. Ce qui est arrivé à Félix Méril peut aussi arriver donc à ces deux yoles. Donc ça va attirer aussi l'attention, ils vont demander plus de vigilance. Donc, et la voile, il va falloir aussi la chapeau. Hein. C'est ce qu'ils font déjà. Même lui, ils travaillent avec le triangle supérieur. Parce que l'homme l'a dit, le cadet s'en est brandy wood. Il y a les coups du bas effilé, c'est vraiment sécurité maximale. On l'a dit, ce tour-là, il se joue pas forcément sur cette étape-là, mais il faut savoir la passer. Il ne faut pas faire d'erreur. Gianni le répète souvent, le vainqueur sera celui qui fera le moins d'erreur. Il ne s'agit pas d'aller vite au début, il faut être patient. Le tour se construit sur cette étape. Le chiffre, c'est un pas seulement celle-là. Celle-là, il faut bien la passer. Quoi. Donc, il est dans son rôle, il est dans son plan de course. Il a peut-être été vexé d'avoir conseillé autant de temps, surtout autant de distance. 5 minutes, c'est pas beaucoup, mais autant de distance à l'arrivée. Il était perplexe ce matin. Il a fait, je pense, le bon choix de voile. C'est 25 mètres carrés, c'est une voile qui s'est gérée. Là, on est en train de voir les fers qui s'apprêtent à remater. Ils ont déjà écopé une bonne partie de l'eau. Donc, ils ont mis déjà un fromage, un petit fromage. Donc, ils vont mettre à 30 minutes. Voilà, tout simplement. Vous allez voir l'opération si on arrive à rester dessus. Il y a une poulie au-dessus du fromage. Donc, ça va les aider à faire monter la voile. Quoi. Et pendant ce temps, Sarah, Énergie Nouvelle, Café Chimay. Continue, il est en train de creuser l'écart. Là, maintenant. Et on sent que Rosette Orange est aussi un peu en difficulté parce que la distance que met Sarah, Énergie Nouvelle à Rosette, alors, soit eux aussi, ils ont eu des problèmes, ils ont eu une petite avarie, ils ont encaissé, ils ont pris de l'eau. Donc, on sent que la yole, elle n'avance pas hein, du côté de Rosette Orange, contrairement à celle des Marinois. Elle avance moins vite parce qu'ils sont peut-être moins en confiance. Et la force de cet équipage Sarah AD, c'est sa régularité. Peut-être qu'en première partie de course, il n'était pas très rapide, mais il était régulier. Et là, dans la zone difficile, ils avancent, mais ils s'écartent quand même. Hein. Ils sont un petit peu au large. On sent que le vent et la voile, ils en mettent aussi. Mais non, ils ne sont pas en difficulté. Ils ont un point de course, ils le respectent tous les jours. Là, on revient sur les exercices de le format qui est debout, avec la pluie en tête de barre, et qui va aider pour justement soulever la 32 mètres carrés qui vont battre. Je me souviens, en Yéline, il y a une année, je ne peux pas vous dire laquelle, il y a une yole qui avait dessalé, et pour la maintenir en équilibre comme ça, ils avaient fait passer deux canaux suiveurs de part et d'autre de la yole. Je ne sais pas ce que vous dites. Justement, voilà, donc c'est pour ça. Mais en tout cas, il y a été fait. On ne doit pas avoir cette assistance à nous. On doit se débrouiller par soi-même. Il y a été fait.